Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette odyssée où ça va être une odyssée Rayman. Rayman. Je vais déjà voir si. Est-ce que ça peut se jouer à la manette, ça? Ou pas? Je vais me mettre en Bluetooth. Hop là, je vais me mettre en Bluetooth. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Oui, donc ça c'est bon. Non. Ok, commande du menu, déplacer, annuler, valider. Bon. Alors attendez, j'installe ça sur la manette. Hop, voilà. Accepter. Alors, où sont les paramètres? Chain Rayman, ça c'est le fichier, il n'y a pas de paramètres. Nous devons télécharger quelques fichiers. Ah putain, mais c'est pas possible, vous pouvez pas tout télécharger en même temps, bande de cons. Ah d'accord, donc là ça marche avec la manette. Un peu de son. Voilà. Alors c'est très joli déjà. Pas mal. Attaquer, sauter. Donc sauter c'est le X, sauter c'est le A. Bon, ça va. Mais c'est pas du tout ça. Alors. Là pour sauter, c'est pas du tout cette. Ah si, c'est ça. Ah si, ok, d'accord, ok. Donc il faut attendre le tutoriel en fait. C'est très très beau. C'est quand même incroyable parce que ce jeu est gratuit en plus. D'accord. Ok, alors je sais pas vraiment le but du jeu, il faut courir après des œufs. C'est pour Pâques, c'est pour ça. Non, c'est très très beau, hein. C'est super bien fait, les effets sont magnifiques. Ça a toujours été quand même plus ou moins des réussites, enfin plus ou moins. Ça a toujours été, oui, assez de bonnes réussites quand même, les jeux Rayman. Il y a quand même très peu de jeux qui sont vraiment moisis. Merci pour ton aide, mes amis. Peux-tu trouver les ramener? On s'en fout de ce que tu racontes. Ferme ta gueule. Pousse. Là, fais tomber dans la cage. Nous allons l'emmener pour le libérer. Je suis bien content. Connecte-toi à Facebook. De toute façon, j'ai pas Facebook, donc je m'en fous. Ok. D'accord, donc ça, ok, ça va. On peut aller par là-haut. Alors, je n'y ai jamais joué, hein. C'est la première fois que j'y joue. Je découvre ce jeu. Alors, j'ai jamais vraiment eu de Rayman sur mes consoles en fait. Ça n'a jamais vraiment été un jeu. Je connais, je trouve ça assez bien. Mais bizarrement, c'est pas vraiment un des jeux que j'ai acheté en fait. Déplace. Ok. Ouais, en fait, c'est une sorte de. On peut faire quand même pas mal de combos. C'est super fluide en fait. C'est ça qui est super bien dans le jeu. La fluidité de ce jeu est vraiment très 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 bonne. Rien à dire. En sachant qu'en plus, là, je suis en train d'enregistrer. Je
suis en train d'enregistrer la capture d'écran en HD, donc vraiment ça tourne très très bien. Alors là, je pense que c'est le résultat où j'en suis. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, j'en sais rien. 670. 670 par rapport à quoi? Bon, là je sais pas trop. Ah si, j'ai les trois trucs bleus, donc ça va. Donc on peut voir que les trois points bleus sont mis, donc je pense que j'ai eu tout ce que tout ce qui pouvait être récupéré. Ah, c'est super beau, franchement c'est super beau, magnifique. Allez, c'est parti. Alors, par où faut-il passer? D'accord. Ok. Quand même bien de pouvoir revenir en arrière par contre. D'accord. Ouais, c'est super fluide. Quand même agréable d'avoir des jeux comme ça. Oula, les araignées là. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Même les doubles sauts, franchement, sont bien faits. Ok, 705. Bien écoutez, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Je sais pas quand est-ce qu'est sorti ce jeu. Moi, je connaissais le jeu où il fallait récupérer toutes les choses brillantes. Où il fallait surtout sauter, voilà, c'était assez linéaire. Je connaissais ce jeu, là, l'un des premiers jeux Rayman sur Android, qui était déjà vraiment pas mal. Et celui-là est vraiment super beau. Et il est gratuit. Aventure 100% terminée. Glisse l'œuf dans l'incubateur. Je glisse l'œuf dans l'incubateur. Œuf sauvé, d'accord. Aventure 1. D'accord, donc ce qui veut dire qu'il y a aventure 2. Touche pour ouvrir l'incubateur. Terminé. Nouveau, d'accord, c'est bien. On peut passer cette merde là. J'ai horreur des films en fait. Moi ce que je veux c'est jouer pour... Alors en fait on grandit. Ah d'accord, en fait ça nous permet d'aller un peu plus haut. Les botaniques. Ah, d'accord, mais comment on fait quoi là? D'accord, je suis content. Les sniffers. Appuie sur pour voir la carte de l'aventure. Je vais faire ça. Ok, d'accord. Des fois, c'est pas trop clair ce qu'il faut faire quand même, parce que bon, il y a trop de chaos médiéval. Nous ne pourrons plus revenir à l'aventure en cours. On y va, ben oui. On y va. J'encaisse, ben ouais, j'encaisse, mec.
Gratte-moi bébé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Gratte-moi bébé, mais je suis pas ton bébé moi. C'est la fête quoi. Bon, est-ce qu'on pourrait jouer là? Parce que bon, c'est bien beau là de faire des trucs et des machins là, mais bon. Hauteur, je suis à 110 mètres. 120 mètres. Bon. Voilà. Donc je voudrais aller dans la carte de l'aventure et jouer, mon dieu. Allez, c'est parti. Mais putain. Bon. Bon, en même temps, c'est gratuit, donc je peux pas trop non plus me plaindre. Allez, c'est parti. En fait, là, il faut quoi, là? Il faut détruire des gens? D'accord. 500 points. Ok, donc ça je peux le passer plus vite. Allez, hop, 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 hop. Est-ce que c'est bon ou pas ça? Est-ce que j'ai les trois? Non, j'en ai que deux. Bon. Élimine tout sur ton chemin. Ah d'accord, bon, en fait c'est ça le. Donc en fait j'ai pas allumé tout le monde. Bon, les niveaux sont assez rapides à faire. Je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs cachés aussi à récupérer. Alors là, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Oui, là c'est bon, j'ai récupéré les trois. Oui, pousse, pousse. Donc je peux pas toucher les objets suspects pour trouver la créature cachée. Les objets suspects? Qu'est-ce que c'est cette affaire? Il est pas beau lui hein. Ok, bon voilà, c'est bien. Une sorte de Pokémon en fait là, le truc là. Ok, allez, on fait ce monde là et puis j'arrêterai ici pour la pour l'Odyssée Rayman. Vraiment pas mal hein, pas mal. Bon, des fois c'est un peu flou sur ce qu'il faut faire quoi, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire. Ah d'accord, ok, d'accord. Ah oui. Ah d'accord, c'est un sniffleur, donc en fait, il récupère
Il aspire, c'est un aspirateur, d'accord. Ok, ok. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout, mais je sais, je pense que j'ai pas fait franchement un très bon score parce que j'ai foiré quand même toute la première partie. Donc on va voir, mais je pense que ça va pas être terrible. On va voir de suite. Ah si, 3, c'est bon. Hop, je mets ça dans l'incubateur, encore une fois. Voilà, donc j'aurais fait les deux premiers niveaux. Aventure 2, enfin en tout cas les deux premières aventures. Œuf d'argent, œuf d'or. Les élixirs peuvent transformer les œufs. Mais pourquoi je peux pas mettre l'or? Ah, ça sert à quoi alors? Pourquoi tu mets... Accélération. Un petit coup d'accélération. Voilà. Un petit coup de pastaga. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, on va pas lui casser la nuit. Mais ça, j'en ai pas déjà un de trucs comme ça là. Non, vraiment pas mal. Pas mal, pas mal du tout. Très fluide, malgré le fait que je suis déjà en train d'enregistrer la capture d'écran en HD. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. C'est fluide, c'est beau. Il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai mon téléphone qui chauffe grave. Donc, on va s'arrêter là pour Rayman et l'aventure 2. Voilà, et puis on se retrouve pour la prochaine partie de l'Odyssée avec l'aventure 3, je présume, si j'arrive à trouver comment on fait. Voilà, à la prochaine !